Bonjour les amis, c'est Mutraptoma de Nintendo Alert Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour la soluce du sanctuaire de Maya Coco qui se trouve ici. Donc je montre au cas où vous auriez besoin de mettre un marqueur. Allez, c'est parti. Donc plusieurs mécanismes ici. On va utiliser le premier qui va nous éjecter jusqu'au deuxième étage. Et on va récupérer la sphère qu'on va mettre dans le toboggan. Ensuite, on va redescendre de nouveau et frapper ce poteau au bon moment pour que la sphère touche la cible. Voilà, ainsi ça va ouvrir la porte. On va reprendre le système d'éjection pour passer de l'autre côté. Hop. Avec notre jolie paravoile de Link 8 bits. Voilà, ici plusieurs systèmes. Donc, on va prendre le premier système qui éjecte. Il va falloir faire du slow motion pour aller récupérer le coffre. Voyez, le coffre se trouve là en dessous, tenu par une espèce de corde. Hop. Et on va gentiment attendre qu'il tombe en bas et on le récupère. Orbe d'énergie Sonéo ou Sono comme vous voulez. Allez, là on va atteindre un deuxième mécanisme qui va nous expulser, nous éjecter pardon, encore plus haut. On va récupérer la deuxième sphère, la mettre dans ce toboggan et se dépêcher. Voilà, pour laisser la sphère tomber sur le mécanisme et ainsi ouvrir la porte de fin du sanctuaire. Voilà, si cette soluce vous a plu, vous a aidé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Bye bye les amis!